Bonjour les turfistes, nous allons revoir le prix de Précy qui s'est disputé le 31 mars sur les 2400 mètres de la piste de Chantilly. C'est Max Lafripouille qui a enfin gagné son quintet devant Koyaizen qui a confirmé sa grande forme. Temple Boy qui a toujours occupé une bonne position, a pris la troisième place devant Sweet Thomas dont j'ai bien aimé la course et Blue Diamond qui a complété l'arrivée du quintet à grosse cote. Une petite note, j'ai bien aimé King Nonantais. Il me l'a semblé pris de vitesse à l'entrée de la ligne droite, mais il s'est bien relancé déployant de bay. Je pense que c'est un cheval qu'on peut suivre à l'avenir. Alors voilà, ils sont partis. Je vous ai directement pointé Max Lafripouille qui va occuper une 7-8e place. Temple Boy, ce sera le gris qui est là le long de la corde. Il va lui occuper un bon rang directement. Quant à Sweet Thomas, il va être plutôt à l'arrière du peloton. C'est une casaque bleue. On le voit là, quasi en avant-dernière position. La piste était collante. Bon, évidemment, avec toutes les pluies qui sont tombées, les chevaux qui aiment le bon terrain sont désavantagés. Bon, ben, ce sont les courses, hein. Il faut profiter des situations et les chevaux de terrain lourd profitent des situations atmosphériques actuelles. En tête, c'est le numéro 16. Je la voyais bien, Babidaz, mais elle a vraiment fait beaucoup de trains, probablement de trop. Il faudrait quand même la racheter une prochaine fois. Là, je vous pointe Sweet Thomas qui est à l'arrière du peloton. Quant à Max Lafripouille, il est toujours en 9-10e position. Donc toujours en tête, Balidas avec Master Dan dans son dos. Et Temple Boy qui est en 3-4e position. On passe devant les grandes écuries. Là, je vous pointe Sweet Thomas. En 4-5e position. Temple Boy toujours le long de la corde. Ensuite Thomas, il s'est un peu rapproché, là il est 6-7e. Et on va entrer dans la ligne droite. Didaz a toujours quelques longueurs d'avance, mais franchement elle a un trophée. On va avoir un très beau rapproché le long de la corde suite Thomas. Il va faire illusion pour le podium. Il est un peu craqué dans les derniers mètres. Mais bon, ça reste une bonne course. Voilà, Baldidaz, elle a toujours quelques longueurs d'avance devant Master Dan. Là, je vous ai pointé tout à l'extérieur, c'est King Nonantais. Vous allez voir, là, il est en pleine piste, il va être un peu pris de vitesse avant de déployer de belles foulées. Il faudra le suivre prochainement, ce cheval-là. Baldidas toujours en tête, à 150 mètres du poteau. Là, je vous pointe toujours King Nonantais. Le long de la corde, c'est Sweet Thomas qui fait illusion. Et on a Max Lafripouille là, qui arrive à l'extérieur, la casaque verte. Qui va très bien finir et qui va fusiller tout le monde sur le poteau. Voilà, là on a toujours King de Nantais. Là, il a pris quelques longueurs dans les dents. Et puis vous allez voir qu'il va vraiment bien se relancer. Temple Boy est courageux. Sweet Thomas, il va craquer. Koyaizen fait illusion. Et King de Nantais. Regardez là, c'est pas mal. Ça va mieux. On refait. Du chemin, on reprend du moral en dépassant quelques chevaux. Et voilà. Donc, s'il perd en plus un petit kilo sur ça, ce sera parfait. Victoire de Max Lafripouille, montée par Théo Bachelot. Très bon jockey. Méritait sa victoire. Hein. Il est toujours là. Déçoit rarement. Bon, maintenant il va être pénalisé, mais c'est une victoire méritée qui m'a fait plaisir.
Voilà, à très bientôt les amis.